Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, vidéo Via Ferrata. D'ailleurs un immense merci pour les retours sur la dernière vidéo Via Ferrata, celle de Jules Carré, vous avez été juste ouf. Et je ne vous oublie pas, je vais voir pour faire un truc sur cette Via Ferrata. Je regarde encore comment m'organiser, soit je la tente en live, mais je sais pas si le réseau sera ouf, ou je vous la refais simplement par beau temps. Ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la mets en fiche, allez la voir. Et donc aujourd'hui, ça part pour la Via Ferrata du Roc du Vent, je suis dans le Beaufortain, avec un paysage juste ouf, je ne vous spoile pas, mais hop, petit lac, hop, petit Mont Blanc, c'est juste pépite. Au niveau de l'accès, c'est super facile, il suffit de se garer au refuge du plan de l'allée et ensuite on a une marge d'approche d'environ 30-45 minutes pour arriver au pied du rocher. Petite précision, c'est une via je pense qui a évité en plein mois d'août, enfin ou période scolaire, parce qu'elle est ultra fréquentée, vous allez potentiellement galérer pour trouver de la place sur le parking et vous risquez aussi de rencontrer pas mal de groupes sur le câble finalement. Voilà, je ne vous embête pas plus et on se retrouve sur le câble. Et allez, ça part pour la Via du Roc du Vent. Bon, le départ est assez simple. On est sur une petite dalle un petit peu inclinée, donc pas beaucoup de pente. Par contre, le rocher est vraiment patiné de ouf, ce qui fait que ça glisse à mort. Alors cette toute première partie de la via, ça consiste en une grande dalle en pierre inclinée à 30-40 degrés je dirais, donc vraiment zéro difficulté, sachant qu'à chaque fois il y a des barreaux et des petites plateformes pour les pieds qui nous aident pas mal, et ça nous mène à une petite échelle de 2-3 mètres environ. Allez, ça part pour la première petite ascension verticale, après cette magnifique dalle, là c'était vraiment trop stylé. Bon, rien de difficile ici. La via est super bien équipée. Les côtés assez difficiles, ce qui la rend quand même pas mal accessible. Pour l'instant, il n'y a pas trop de gaz. Donc c'est cool. Passage proche du rocher sans trop de manon et là, il n'y a pas plus de gaz. Du coup cette petite échelle elle va nous emmener vers une seconde partie qui va être relativement similaire à la première, donc une grande dalle inclinée à peu près de la même façon. Bon, vous pouvez voir c'est un petit peu plus accidenté, mais voilà, encore une fois on a des barreaux et des petites plateformes pour les pieds un peu de partout et pour les mains également. Alors, en tout cas la vue elle est juste imprenable sur le lac là sur la gauche, c'est vraiment trop beau. Bon, vous pouvez voir que j'ai buté un petit peu derrière un groupe, comme je vous disais en intro, là c'était pas mal fréquenté ce jour-là. Heureusement, ils vont me laisser passer très gentiment, je vais pouvoir doubler tout le monde. Bon, ça va pas mal me péter le cardio, mais bon, au final, ça me permettra de gagner du temps sur la suite de la via. Allez, ça continue. Bon, là, du coup, j'ai passé le premier ressaut, j'attaque le deuxième. On va prendre un petit peu plus de hauteur. J'ai cru qu'il y avait un maillon, on n'avait pas du tout. Je disais, deuxième ressaut, on va prendre un peu plus de gaz, ouais. Putain. Tac. Vous avez vu, ouais, comme je vous disais, la roche est bien patinée, donc c'est assez glissant, faut faire gaffe. C'est la principale difficulté pour l'instant de cette via. Bon, vous avez pu voir que les dépassements à répétition ont eu raison de mon cardio, j'étais essoufflé de ouf alors qu'il n'y avait vraiment rien d'incroyable dans cette zone. Alors c'est un tout petit peu plus vertical, mais vraiment il n'y a pas besoin d'être hyper athlétique pour pouvoir la passer. Il y a quelques petites marches, mais bon, sans grande difficulté. Par contre, soyez vigilants parce que dans cette zone-là, le rocher est super glissant et aussi super friable. Donc faites gaffe à ne pas en balancer sur les collègues d'en dessous ou alors à chuter vous-même. En tout cas, petit à petit, on arrive sur un plateau et la pente commence à gentiment s'adoucir. Et surtout, petit à petit, on va quitter le câble pour partir plus en mode randonnée jusqu'à un panorama sur le lac de Roselend qui est vraiment incroyable. Bon là c'est vraiment le spot idéal pour faire quelques photos ou claquer votre meilleur pique-nique. Vraiment un super panorama, et on continue par la suite ce petit chemin de rando qui est super bien balisé finalement. Ça permet aussi de récupérer de la première partie qui est pas ultra athlétique, mais bon ça attire quand même un petit peu sur les bras. Et là on va longer vraiment cette crête avec le canyon au milieu, c'est vraiment super impressionnant, et se diriger tranquillement en direction du Mont Blanc qu'on commence à apercevoir au loin. Et bim! Alors là, arrivé vraiment sur la crête, on a un panorama juste incroyable. Derrière là-bas, le Mont Blanc, avec un énorme lenticulaire juste au-dessus, ça doit bien souffler là-haut. Et juste en bas, le deuxième barrage de Gia, je sais plus trop, je vous mets son vrai nom. C'est vraiment magnifique. Et juste derrière là-bas, je sais pas si on va le voir, mais il y a le lac de Roselend toujours. Et nous, comme vous pouvez voir, on va juste en face. L'idée, c'est de redescendre et remonter sur les arêtes en face avec un superbe pont népalais. Alors moins grand que celui de la Via de Jules Carré, mais bon, ça va être plutôt stylé quand même. Allez, c'est là qu'on retrouve de nouveau le câble. Donc on va se rééquiper et surtout s'accrocher de nouveau au câble. Du coup, une fois qu'on a retrouvé le câble, on va attaquer une partie plutôt descendante, ce qui est assez atypique. En Via Ferrata, on s'attend plutôt à soit longer le rocher ou alors monter. Mais bon, c'est plutôt cool, ça change un petit peu. Et là, la grosse difficulté, c'est que finalement, on va voir aucun barreau et aucune plateforme quasiment pour pouvoir s'appuyer. C'est vraiment full contact rocher. Allez, ça part pour, je pense, ce qui va être la partie, ou l'une des parties les plus techniques de cette Via, à cause du profil descendant et du fait que c'est pas équipé, mis à part le câble, et surtout le rocher, c'est patinoire quoi. Il est vraiment patiné de ouf. Après, il y a des marches quand même régulièrement, donc ça va. Par contre, pour les personnes plus petites, ça peut être plus compliqué. Après, heureusement, cette partie, elle dure vraiment peu de temps, donc... Donc ça se fait plutôt bien. Une fois qu'on a passé cette partie descendante, on va reclaquer un petit mode randonnée sur quelques centaines de mètres. Là, on va vraiment s'enfoncer dans le creux du canyon et je pense qu'on peut trouver de la neige jusque tard dans la saison parce que c'est tout à l'ombre, avant de rattaquer finalement le câble sur le rocher juste en face. Et allez, bon là comme vous pouvez le voir, on va attaquer la partie, je pense, la plus aérienne de la Via. Toujours avec une magnifique vue sur le lac. Et là on a une bonne échelle de 5-6 mètres le long de la paroi. Donc c'est parti. Bon là on est plus sur un versant nord tout de suite, donc on est à l'ombre au frais. Ça c'est cool. Bon, rien de difficile, il faut prendre le temps. On est sur une belle échelle. Éviter de trop tirer sur les bras. Au final, c'est l'arrivée. Peut-être la plus technique, on a moins de maillons. Ok, petite partie intermédiaire, encore une fois très peu équipée. Bon là on a du gaz, attention pour ceux qui craignent un peu. Ok, ça continue. Et on est sur un petit passage entre deux pitons. Putain, la vue sur le lac, c'est juste ouf, quoi. Et premier changement de longe en étant un petit peu en mode tendu, tendu sur les bras, je vais dire. Vraiment toutes les autres, là on peut voir, on est vraiment à l'aise. Bon, c'est pas mal ce petit balcon là. On est quand même... bien au-dessus du gaz et de nouveau une nouvelle échelle. Bon, je pense que c'est une des dernières avant d'arriver sur le sommet de ce piton. Attention pression. En zéro pression, il y avait 1,50 m, même pas 1 m. Du coup là on se retrouve au sommet du second piton rocheux. Tout à l'heure on était juste en face là sur la gauche. Et après une toute petite partie descendante qui est pas mal glissante également, on va attaquer un des moments les plus fun de la Via, c'est ce pont des Palais. Ok. Alors ça c'est vraiment plus que stylé. Là, entre les deux, putain ça brasse. Les ancrages ils sont en quinconce, du coup c'est assez ouf. Comme ça bouge. Par contre la vue sur le lac, incroyable quoi. On va prendre les deux mains quand même. Putain. Il est très peu serré. Oh là là, le délire. Comment ça bouge, sa mère. Heureusement qu'il n'est pas très long. Allez, on est au bout. Tac. Bon, a priori, on peut être à 4 dessus. On veut dire qu'à 4, ça doit brasser de ouf. Du coup, après le pont des Palais, on en a terminé pour la partie Via Ferrata vraiment pure et dure. Là, on enchaîne sur une partie un petit peu plus randonnée avec un profil descendant qui dure un certain temps. Alors régulièrement, le cap va refaire son apparition pour les parties les plus exposées. C'est pas toujours utile de s'accrocher dessus, mais au moins il est à proximité pour se tenir avec les mains ou éventuellement pour pouvoir mettre les mousquetons si vous en ressentez le besoin. Et nous voilà pas mal redescendus. Là, on a vu sur le refuge en bas et le parking qui donne accès à la Via. Et encore une fois, magnifique vue sur le lac de Roselend avec le barrage juste au bout là-bas. C'est vraiment trop beau ce bleu incroyable quoi. On l'aura vu quasiment tout le long de la Via. Et là ça part pour le moment un petit peu insolite dont je vous parlais tout à l'heure. C'est qu'il y a une fucking grotte pour cette Via Ferrata. Un tunnel plutôt, si on peut dire. Tac. Heureusement j'avais prévu la frontale, je m'étais renseigné sur la Via. N'hésitez pas à la prévoir vous aussi, mais voilà, c'est vraiment trop stylé. Je sais pas quoi il servait, si il a servi il y a longtemps ou s'il a simplement été creusé pour la Via. Mais voilà, petite Via souterraine, trop bien. Donc voilà, si vous la faites, bah prévoyez à minima un téléphone avec une lampe torche, quoi, ou au mieux une frontale, c'est vraiment plus confort. Après, ça n'a pas l'air super long non plus, hein, mais ça vous évitera de vous cogner au plafond qui n'est pas très haut, mine de rien. Voilà, comme ça. Bon, et bien voilà, j'en ai terminé pour cette Via Ferrata du Roc du Vent. Le vent qui se lève d'ailleurs, je pense que ça porte plutôt bien son nom. Regardez-moi cette vue. En tout cas, elle était vraiment extra. Avec ce petit final là, en plus pépite avec le tunnel, c'est vraiment trop stylé. Je sais pas si je l'avais dit dans l'intro, mais elle est cotée AD cette Via, donc pour assez difficile. Effectivement, peut-être les parties les plus difficiles, comme je disais, c'est les parties descendantes au final, qui sont moins bien équipées en maillon. Après, pour le reste, franchement, c'est hyper accessible. J'ai vu des groupes avec des enfants, enfin plutôt des ados, je dirais, de 10-12 ans. Voilà, si vous voulez emmener vos enfants, je pense qu'il y a zéro problème, en prenant le temps, bien entendu. Moi, là, j'ai bouclé en 2h45 avec la marche d'approche. Moi, j'ai buté un peu derrière certains groupes qui m'ont très gentiment laissé passer, d'ailleurs, tous. C'était vraiment top. Mais voilà, effectivement, je pense que c'est une via à éviter... au mois d'août, comme vous pouvez voir la gueule du parking qui est juste full. Voilà, si vous la faites seule, n'hésitez pas, je pense, à éviter les périodes de forte affluence, hein, juillet, août, les vacances, tout ça. Et après, si vous êtes en groupe, de toute façon, on a forcément plus d'inertie que quand on est seul. Donc, vous n'avez plus qu'à kiffer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez découvrir mes aventures en Via Ferrata, parapente, VTT, saut à l'élastique, tout ce qui touche de près et de loin la montagne et un petit peu l'adrénaline, on va pas se mentir. Pour les plus anciens, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, un super commentaire. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à vous lire. C'est toujours bienveillant et vous me donnez parfois des super conseils, donc c'est cool, continuez comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi s'il y a des vias proches de chez vous ou certaines que vous avez déjà faites. Alors dans l'idéal, Savoie ou Haute-Savoie, hein, histoire je tape pas 2 jours de bagnole pour aller la faire. Mais voilà, si vous voulez me voir faire certaines vias que vous connaissez ou que vous voulez découvrir justement par le biais de ces vidéos, n'hésitez pas. Pour ma part, je continue ma marche de descente et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!